Hello mes petites tisseuses, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir ce nouveau vlog. Du coup, voilà, on est mardi 6 avril. On va vite, hein. Je vous ai pas appris le reste de... Enfin, fin de semaine. je pensais vous prendre samedi, mais je vous ai pas repris. J'ai profité un petit peu de mon chéri. Voilà. Dimanche, je me suis reposée. J'ai lu. Je vais vous montrer ça. J'ai regardé une série aussi. C'est pour ça que j'étais mis ici parce que je ne savais plus le nom. Et du coup, je voulais vous en parler. J'ai regardé sur Netflix. Ouais, Netflix. Il est marqué dessus en plus. Hein. Moxie. Je sais pas si vous avez déjà regardé Moxie. C'est du jeunesse. Je le dis tout de suite. Mais il y a une histoire qui est intéressante dedans. Du coup, on va suivre une jeune fille qui rentre le premier jour à l'école. Enfin, c'est au supérieur. Enfin, je ne sais plus. Dans une nouvelle école, si j'ai bien compris. Et enfin, une classe plus haut. Enfin, soit. Et avec sa meilleure amie de toujours. Voilà. Et en arrivant dans cette école, elle n'a pas beaucoup d'amis à part sa meilleure amie et tout ça. On va la suivre avec sa meilleure amie. Et à la longue, on va comprendre que, en fait, cette école est pour Ah, comment c'est? Je sais pas, c'est pas du foot. Enfin, soit c'est un truc de foot, mais c'est pas le. Ou c'est le foot? C'est du rugby ou du foot? Je ne sais plus. Que le capitaine de cette équipe, c'est la star de toute l'école. Il a droit de faire toutes des bêtises. Il va emmerder des jeunes filles qui viennent d'arriver. Et du coup, le personnage qu'on suit dans cette histoire, elle en a marre que voilà que parce que pourquoi c'est toujours les hommes qui ont le droit à la parole et tout ça. Du coup, elle va se rebeller. En fait, elle va rentrer chez elle et elle va un peu parler avec sa maman. Et elle va découvrir que sa maman, dans ses années à elle, elle était aussi assez rebelle. Voilà. Et du coup, elle va aller fouiller dans les affaires de sa maman. Elle va trouver des choses. Et du coup, elle a une idée qui apparaît dans sa tête. Elle va faire des petits flyers de elle-même avec des dessins qu'elle fait elle-même, qu'elle colorie elle-même et qu'elle va mettre dans les toilettes des filles. Et du coup, elle va donner le nom Moxie. Et du coup, ça va rallier quelques filles ensemble qui vont se soutenir et qui vont développer Moxie. Mais personne ne sait que c'est elle. Elle fait partie du groupe, mais personne ne sait que c'est elle. Et du coup, elle est contente que voilà, les jeunes filles se laissent plus faire. Et du coup, il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans cette histoire. Je vous mettrai l'image ici ou là. Enfin, je vous mettrai peut-être là pour vous aller voir. Il est trop chouette. Il venait d'arriver, je crois. C'est un nouveau sur Netflix. Je l'ai regardé, j'ai trouvé chouette, amusant. On va comprendre plein de choses que dans des lycées, parce que je crois que c'est un lycée, ce que ça peut donner en vue extérieure. Voilà. Et du coup, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. J'étais triste, contente. J'avais de la colère, j'avais un peu de tout, mais c'était chouette. Et voilà, du coup je vous insérerai la photo pour vous la montrer. C'était chouette, j'ai adoré. Allez le voir, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous parler de mon livre que j'ai lu en 2 jours. J'ai lu 134 pages. Je suis contente, 134 pages. Je suis occupée à lire Le Désir défendu. Voilà, de chez Hugo dans la collection New Romaine, de chez Eve. FV, STP, STP, je sais pas. C'est un MM, pour ceux qui ne savent pas, MM, c'est garçon, relation garçon-garçon.
Voilà. Et du coup, on va suivre ce professeur. On va suivre un professeur qui, pour ses premiers jours de la rentrée, il a plusieurs classes. Et voilà. On va suivre le professeur qui a une soirée assez foufou la veille de la rentrée de classe. Et le jour de la rentrée de classe, l'année d'avant, il avait avoué un petit peu à tout le monde qu'il était pour les hommes. Voilà. Et ça n'a pas trop marché, mais enfin, soit, voilà, ça a coulé, quoi. Et ici, on va le suivre. Et du coup, les premiers jours, bon, on le trouve qui va dans le truc de professeur, dans la salle de professeur, prendre son horaire et tout ça. Et quand un jour, il va arriver dans la classe. Je sais plus, je crois que c'est la classe d'anglais. Dans la classe d'anglais, il va rencontrer, c'est Noé, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Noé, au premier rang, les yeux bleus, très mignon, ne le quitte pas du regard. Voilà, on va suivre du coup Noé, le deuxième personnage. Et c'est un garçon assez réservé. Il est toujours tout seul, son côté bande à part. Les autres sont tous ensemble. Lui, il est toujours seul. On va le suivre et on va suivre le professeur. Et le professeur a un truc qui l'attire vers lui, qui a comme il y a une attirance vers lui. Il a de la tristesse envers ce garçon. Et moi où je suis, on apprend plein de choses. Du coup, je suis pressée de retourner dedans en fait. J'avais pas envie de le quitter hier soir, mais j'ai dû arrêter. Du coup, on va suivre ces deux personnages. Et ce garçon, Noé, a des petits soucis. Et du coup, son professeur va lui proposer, s'il veut, son aide pour avoir des cours après l'école, pour avancer. Voilà. Et il lui dit oui. Et en donnant des cours, enfin. Avant ça, il va déjà remarquer des trucs, mais voilà, il n'a jamais fait très important. En fait, il va découvrir des poignets à serrer avec des blessures et tout ça. Et en étant le cours individuel, il va lui dire ce qu'il pense et tout ça. Et voilà, il y a un truc que ce garçon vit, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qui lui arrive. Ce professeur est vraiment attiré à lui. Mais il met un frein parce que c'est son élève, il ne peut pas faire ça, il risque l'exclusion complètement de l'école, il veut pas perdre son boulot, il adore être le prof, comment dire, le prof qui écoute tout le monde qui a un problème vient vers lui, il discute, il a plus ou moins le même âge que les jeunes dans sa classe, c'est un prof qui écoute beaucoup. Mais Noé est toujours à part, il veut pas parler. Et du coup, son professeur lui explique plein de petites choses, qu'il peut pas rester comme ça, qu'il doit en parler, on peut l'aider. Et Noé va dire non, vous pouvez pas m'aider, plein de choses comme ça, voilà. Et du coup, lui, ça l'embête, ça la stresse et tout ça. Et la veille des congés de Noël Pâques, il va partir, ils vont, lui, le professeur, va aller au bar, rejoindre son meilleur ami. Et parce que le professeur venait de. Pendant les vacances, il a perdu son conjoint. Ils ont resté 3 ans. C'est 3 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, 3 ans avec son conjoint. Et ils se sont séparés. Et du coup, son meilleur ami essaie de lui changer les idées. Et voilà. Et du coup, ils partent en soirée et ils boivent quelques coups et puis il rentre chez lui. Et là, il va découvrir Noé en sang, plein de blessures et tout ça. Et c'est là que je suis où il est rentré chez le professeur qui le soigne et tout ça. Et là, il y a un truc qui se passe et je peux pas trop vous en dire parce que j'ai déjà lu. Je vous parle déjà de 100 pages. Ça fait énorme quand même et qui fait que 400. Non, plus quand même 400, 500, 523 pages pour vous dire. Voilà, et j'aime
Pour le moment, j'adore. Comme je vous ai dit, je faisais pas. J'ai lu ça en 2 jours, quoi. Moi qui lis très peu d'habitude. Mais là, j'avais vraiment envie. Je l'avais mis dans le vlog. J'ai été voir les messages, mais aucun message. Du coup, j'ai choisi moi-même et j'ai pris ma prochaine lecture. Voilà. Et c'est trop chouette. Ah oh je viens de me blesser. Et en pensant à ça, j'espère que vous avez été gâtés par la petite poule. Que vous avez fêté ça, même si on ne peut pas trop être en famille. Mais que vous avez pu profiter des 3 jours de congé, ça fait du bien, relax. Bon, moi j'ai pas eu 3 jours de congé, hein. J'ai travaillé le lundi de Pâques, chez moi, mais j'ai travaillé, j'ai bien travaillé. Je suis été épuisée, cassée hier soir, parce que je me suis levée à 7h, enfin non, je me suis levée à 6h30, j'ai commencé à travailler à 7h, j'en ai eu fini pour. J'ai comment, on avait fini à 11h30. Bon, j'ai eu de l'aide à manger, heureusement, parce que moi je serai encore là. J'ai terminé avec mon chéri. Enfin, moi j'ai terminé, j'ai arrêté à 11h. 11h10, je suis arrêtée. J'étais prendre ma douche et lui il a continué jusqu'à 11h30. Donc j'ai fini de prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux, je me suis lavée. Et quand j'ai eu terminé, il a été prendre sa douche aussi. Bon, on a eu fini, voilà. Il a vraiment terminé là. Voilà. Pour vous dire qu'on a bien travaillé. Et après, ben, on a été. On a mangé. On a fait de la choucroute. On a mangé de la choucroute. Et voilà. Et aujourd'hui, je sais pas si vous, si c'est le cas. On est le 6 avril. Et ici, il neige. Si j'oublie pas, je vous montrerai une petite vidéo que j'ai faite. Il neige. Voilà. C'est très chouette. Il neige. Voilà. Les voitures sont pleines de neige. Je me suis levée au matin. Mon chéri est parti avant 7h. Vers 6h30, je pense. Et excusez-moi, j'ai un hoquet. Je suis pas mon jus de fruits et du coup, j'ai un hoquet. Enfin, j'ai le hoquet. Et j'ai entendu gratter à la voiture. Du coup, je me suis levée, j'ai été voir, je dis, oh, il gèle. Et du coup, quand j'ai vu, oh non, il fait tout blanc. Il faisait tout blanc. Bon, sur les routes, ça tient pas. Ça tient juste sur les toits, les voitures et les jardins. Voilà. Jusque maintenant, ça tient. J'ai du soleil parfois et puis j'ai une giboulée de neige qui arrive. Voilà. Ouais. Et je prends des vitamines pour le moment. J'en ai besoin. Je suis tellement fatiguée que je prends. Je fais pas un sponsor. Je voudrais même retirer le de marque. Mais voilà, je prends mes vitamines. On va boire ça. Je bois pas ça toute la journée, mais j'ai bu qu'un petit peu. Bon, ils sont pas remplis beaucoup, mais j'ai bu une gorgée avant de vous prendre. Sur ce, je vais vous laisser. Là maintenant, je vais peut-être regarder le reste de la vidéo de Kimi Collection. Et peut-être jouer, je sais pas. Je vais à mon petit jeu. Moi, bon, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre Kimi Collection là et jouer là. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai dû voir mes commentaires sur YouTube. Comme ça, c'est fait. N'oubliez pas d'aller la voir, la vidéo de lundi, hier. Voilà, qui était une ouverture de booster en avant. Voilà. J'ai 4 vues dessus. Voilà. Voilà. Et demain, il y en a une aussi. Il faudrait que je vous pense à vous le dire. Et demain, c'est quoi que je vous ai mis? Je ne sais plus. On va continuer. On va aller vite voir. Demain, on est le 7. Je vous ai mis le petit colis de Mars. Voilà. En avant-première. Et ouais, il faut que je mette la vidéo de vendredi aussi. Je ne l'ai pas mis. Mais ça, je vous mettrai ça après. Voilà. Voilà. J'espère que vous irez voir le petit film. Si vous l'avez déjà lu ou si vous tente, dites-le moi. Je serai plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas tout ce qui est lien réseaux sociaux. Il y a Discord, il y a Facebook. Enfin, je sais plus si j'ai mis Facebook, mais Instagram. Venez me rejoindre. On peut discuter là en DM. Il n'y a pas de souci. Bon, sur ce, moi, je vous laisse et je vais faire ça. Regardez Kimi Collection, son vlog. Que je le fais, ça fait. Je le regarde en 3 fois. Voilà. Il est tellement long, c'est pour ça. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Enfin, on se retrouve tantôt ou demain. Bonjour, mes tout seuls, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 7 avril. Je voulais vous reprendre parce que je suis. Mais je suis amoureuse de ce bouquin.
Je ne le quitte plus. Là, j'ai envie d'aller bouquiner. Mais là, j'ai quelques trucs à faire avant. Il s'agit de... Ouh là là, je viens de tourner une vidéo et je ne peux plus déjà. Désir défendu. Comme je vous ai dit, c'est un MM. Ça veut dire relation homme-homme. Je suis à 210 pages pour vous dire l'habitude quand vous voyez ce vlog en 3 jours. 210 pages. Mais ça va être un coup de cœur, je pense. Et je viens en plus de tourner la vidéo de mes 5, mon top 5 coup de cœur livresse. Voilà, que je suis en train de vous. Je viens de la monter et vous l'applaudir pour vendredi, la veille de ce vlog. Voilà, j'adore, j'adore. Je suis amoureuse de ce bouquin. J'attends qu'une chose, c'est de me retourner. Hier, j'avais vraiment pas envie de le lâcher. Je suis arrêtée dans un plein milieu d'un chapitre. Moi, j'ai lu en fait j'ai lu le chapitre et puis je me suis arrêtée. Voilà. C'est une pépite. J'avais jamais eu lu de relation entre homme et homme, mais c'est un défaut que je dois absolument corriger. Le seul que j'aimerais bien aussi essayer maintenant, c'est FF, relation femme à femme. Il faudrait que je m'en trouve un. Voilà, pour voir qu'est-ce que je préfère. Mais ici, c'est en plus dans ma collection préférée de chez Hugo. J'adore Hugo. Pour le moment, j'ai plein de livres de chez Hugo que j'adore. Franchement, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'en ai 1, 2, 3. Il y avait quoi encore? 3. 3 gros de mon coup de cœur qui vient de chez Hugo. Du coup, voilà. Et je pense que celui-là va faire partie aussi. Je vous ai déjà dit, c'est une relation entre un élève et un professeur. C'est. Je pensais pas ça du livre. Je bouge un petit peu. Ça passe un peu vite. Là où je suis, je trouve que l'histoire est accélérée, mais pas trop quand même. La plume se lit bien, moi j'adore. J'avais jamais lu de ce. Je sais pas son nom exactement, mais voilà, j'ai adoré. J'adore la plume. La preuve, je lis, je n'arrête pas de le dévorer. Est-ce que j'allais dire d'autre? J'adore, 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 j'adore. Je suis amoureuse de ce bouquin. Ici derrière, il est marqué que c'est un roman et une société. Et ici, on suit toujours le professeur et son élève. Son élève s'est fait. On suppose qu'il s'est fait tabasser. Il est arrivé chez le professeur en sang. Le professeur va le soigner. Ouais, va le soigner. Va lui dire de ne pas quitter de chez lui. Qu'il se repose, quoi. Il lui laisse son livre. S'allonger sur le lit. Enfin, il va prendre une douche pour retirer tout le sang qu'il a sur lui. Et d'abord, au début, le professeur va lui nettoyer ses plaies et tout ça. Et après, il va aller se reposer dans le lit. Et le professeur arrive dans la chambre pour prendre un coussin et une couverture pour aller lui dormir dans le divan. Et là, l'élève lui dit, vous voulez bien rester près de moi? Du coup, ils dorment ensemble. Mais juste ensemble. Mais il y a un truc qui s'est passé avant, mais j'ai pas envie de vous dire. Et le professeur a bien réagi. La réaction du prof est. J'ai trouvé ça exact. C'est ce qu'il devait faire. Enfin, comment dire, sans trop vous spoiler. L'élève a fait un truc et le professeur a bien réagi. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Il n'a pas profité de ce moment-là. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce roman. C'est pas que des choses que l'élève fait quelque chose et que le professeur profite. Pas du tout. Au contraire, il lui dit bien qu'il ne veut pas profiter de lui dans
dans ses moments de faiblesse. Mais il lui avoue que voilà, il a une attirance envers lui, mais que c'est pas comme ça qu'il veut commencer une relation ou quoi que ce soit. Il veut vraiment qu'il soit au top. Et puis l'élève ne parle pas beaucoup, il ne parle pas de ce qui lui est arrivé. Du coup, le professeur est un petit peu emmerdé parce qu'il se dit aussi que qu'il veut pas commencer une relation dans des choses qu'il sait pas quoi. Il a peur de se lancer aussi. Enfin, c'est pas peur de se lancer, mais il voudrait bien l'aider avant à protéger cet élève de ce qui se passe. Parce qu'il se fait tabasser, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas de qui, on ne sait pas si c'est de sa famille, on ne sait pas de quoi. Mais on apprend juste qu'il vit avec sa maman, mais sa maman travaille la nuit. Du coup, voilà. Et voilà. J'en sais pas plus, mais la réaction du professeur, moi je trouve ça au top. Même si l'élève est un peu. Comment dire, un peu. En fait, je lis l'histoire, on a l'impression que si par exemple, moi je demandais à quelqu'un un coup de main, quelque chose, lui en retour il doit donner quelque chose d'autre. Et je pense qu'il y a un truc comme ça. Et je sais pas, hein, là je suis qu'à 200 pages, je ne sais pas encore ce qui se passe vraiment. Mais c'est ce que ça fait parce que l'élève, enfin le professeur l'a soigné, l'a laissé dormir dans son lit, lui a fait du café, le petit déjeuner, et pour lui, il a une dette enfin, c'est ce que je ressens, je vous le dis, c'est ce que je ressens parce que il est marqué dans le livre, hein, je vous le dis bien, mais c'est ce que je ressens en fait, que l'élève, voilà, il y a un truc comme ça, mais je ne sais pas. Alors je me demande bien. Je sais pas. Je suis en train de me poser des questions et c'est chouette d'être dans un livre et se poser des questions. Mais pourquoi il arrive blessé avec la figure en sang? Pourquoi il a les poignets avec des marques dessus? Qu'est-ce qui lui arrive? Et franchement, j'ai envie de dévorer, savoir. Je pense que après ici, je vais vite faire deux petites choses, manger et bouquiner. Oh, j'ai trop envie. Et toi aussi, je te veux. Je regardais une vidéo et elle est là en pause, du coup. Voilà. J'avais trop envie de vous parler de ce bouquin qui me donne très envie de le dévorer. Pour vous dire, hier, il était 8h30 quand je me suis plongée dans mon bouquin et je lisais. J'étais vraiment à fond. Et à un moment, je me suis quitte arrivée dans le lit. Je me dis, bah, pourquoi tu viens? Enfin, il est arrivé, je dis rien, je continue mon chapitre. Et puis, je lui dis, mais quelle heure? Il me fait, mais il est 22h, 22h30. Déjà, j'ai pas vu l'heure passer, je l'ai dévoré. Mais dévoré, je vous le dis. Hein. C'est fou comme je suis à fond dans ce livre. C'est la première fois que j'ai envie de pas quitter un livre, en fait. J'aurais bien fait. Une nuit blanche pour ce bouquin, mais comme monsieur travaille, je peux pas faire ça, je peux pas l'embêter, allumer, laisser la lumière allumée. Voilà, mais franchement, c'est une pépite. Voilà, et je pense qu'aussi ce vlog va être court parce qu'on est déjà mercredi. Je vous reprendrai encore demain. Demain, je n'ai pas cours comme on est congé, c'est Pâques. Du coup, je vous prends demain, vendredi. Je vous prendrai peut-être un petit peu enfin début d'après-midi. Et après, je conclurai ce vlog vendredi après-midi. Et je ferai le montage dans la foulée. J'essaierai de faire le montage. Ouais, il faut que je fasse le montage, j'ai pas le choix de toute façon. Et l'uploader sur YouTube en soirée. Voilà. J'espère que le montage ne sera pas très long. J'ai déjà commencé, j'ai déjà une partie que je viens de mettre sur le PC. Du coup, j'ai déjà monté la petite partie là. Je vais mettre la deuxième qui est là dessus parce que je vous ai pris que mardi. Du coup, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait que 4 petits jours. Et comme je vous reprends qu'une fois souvent, ben voilà. À part si il y a un truc qui va se passer que j'ai envie de vous reprendre tantôt, mais je sais pas. Là,
J'ai envie de vous laisser et d'aller le lire. Voilà. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller replier mes petits vêtements. Parce que j'ai ma main à replier. Et essayer de manger un bout. Je sais même pas quoi. J'ai pas faim. Pour le moment, j'ai vraiment pas faim en plus. Hier, j'ai mangé une boîte de thon et deux, trois salsifis. Ça suffit avec. C'est tout ce que j'ai mangé sur toute ma journée. J'ai vraiment pas faim. Voilà. Monsieur avait mangé le reste de la choucroute. Du coup, voilà. Au travail. Mais il a rien mangé d'autre en rentrant. Il a peut-être grignoté quelques trucs, mais voilà. Moi, j'ai rien mangé d'autre que du thon à 1 heure. J'ai mangé ça à 1 heure. Et puis, j'ai rien mangé d'autre. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse. Et je vais aller. Replier mes vêtements en regardant Odette lecture de Kimi Collection. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tantôt ou demain. Je ne sais pas. Je vous verrai bien. À tout à l'heure ou à demain. Bonjour, mes petits fils. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai froid. C'est pour ça que je suis pas trop. Dans mon état, et puis je viens de faire une petite sieste. J'étais fatiguée, j'avais un coup de pompe, j'ai pas bien dormi. Voilà, et je voulais vous parler d'un truc que j'ai reçu hier. Je suis trop contente. Il est trop beau. Du coup, c'est le pouvoir de Capitaine Crochet de chez Disney Cheddar. Il y en a deux autres que j'ai déjà ma pile à lire, de Vera Trajan, et chez, je l'ai dit dans tout, à sept romans. Voilà, il est trop beau. Juste que vous voyez pas, mais là, il me manque un bout, et là, je sais pas si vous allez bien le voir, il est déchiré. Ouais, là, on voit bien. Hop, il est déchiré. Bon, on va faire avec, tant pis. J'ai pas envie de renvoyer. Voilà. Il est trop beau. C'est écrit assez gros. Voilà. Je vous montre la 4. C'est ouais, c'est la quatrième. Et c'était dans ce collection-là. Je crois que celui-là, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Ou c'est le 1 ou le 2. Il faudrait que je me renseigne avant de les lire. Mais je compte bien les lire. C'est des petits. Voilà, Disney. Et pour changer de sujet, j'ai continué mon livre. J'ai continué mon livre. Désir défendu d'un professeur et son élève. Je suis à la page 404. Je suis. Bah, je crois que je suis à la moitié du livre. Je suis trop bien. Ici, j'aimerais bien continuer à. Je vais continuer après, je vais me mettre sur le lit, j'ai froid, je suis pas dans mon assiette, du coup je pense me remettre sur le lit et bouquiner. Voilà. Y a pas, j'ai rien de prévu aujourd'hui alors, du coup voilà. J'ai dit. Oh, excusez-moi. C'est la fatigue qui appelle. Voilà. Bah, j'ai rien fait de spécial chez moi aujourd'hui, mais j'étais chez ma tantine lui donner un coup de main. Et voilà, et du coup j'ai vraiment pas envie de faire un truc chez moi aujourd'hui, je suis froid, j'ai les pieds gelés, mes mains gelées, j'arrive pas à me réchauffer, le chauffage il va mais j'arrive pas à me réchauffer, j'ai très très mal dormi. Pour vous parler, j'aime toujours bien, je suis encore en plein milieu d'un chapitre, ouais, je l'ai commencé et puis je suis arrêtée hier, je sais plus pourquoi. Ah, parce que monsieur est arrivé dans le lit au moment où je commençais mon chapitre. Du coup, je l'ai arrêté. Et j'aime bien ce que ça se déroule. Ici, je vous dis, on suit le professeur et son élève. Ici, le professeur a proposé à l'élève de partir. Je ne sais plus où exactement. Je ne sais plus le nom de la ville. C'est New York ou un truc comme ça. Enfin, dans un autre pays où ils sont. Et il lui a dit, t'es pas obligé de me suivre, mais c'est pour te changer les idées. Et voilà. Et du coup, ils sont partis tous les deux. Il lui a dit oui et tout ça.
Dans le train, le professeur, il a oublié de dire un truc à l'élève, Noé, comme quoi il avait réservé qu'une chambre pour deux. Enfin, lui, il n'était pas prévu à la base, il avait juste proposé à la fin. C'était pas prévu. Et du coup, l'élève lui dit, il n'y a pas de souci, on va faire avec. Ils dorment ensemble dans le même lit. Voilà. Et il y a un truc qui se passe. Et franchement, c'est agréable. Le professeur a des. Comment dire? Des envies d'aller vers l'élève. Mais il se dit, non, je peux pas, il faut que je me retiens. Même si. Ses envies profondes et très dures de se retenir, d'aller toucher cet élève. Voilà. Et un jour au matin, il se lève, enfin, il se lève, il voit plus personne dans le lit. Et du coup, il cherche, enfin, il cherche, il regarde du regard et les bruits. Et il entend que Noé est dans la salle de bain en train de se laver. Il avait peur qu'il soit parti, qu'il y avait une petite dispute la veille. Mais il est là en train de se laver et du coup l'élève enfin le professeur sort du lit et voit Noé en train de je ne sais plus quoi dans la salle de bain et Noé voit un petit problème du pantalon du professeur et il en rigole un petit peu il dit rien et puis il change de la salle de bain. Ah, monsieur. Voilà, monsieur est rentré. Du coup, je ne sais plus ce que je vous ai dit avec mon livre. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, j'aime bien. Je suis à la moitié en 4 jours. Je pense que ça va aller plus vite que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai aujourd'hui, je sais pas, mais voilà. Ouais. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain pour vous en dire un peu plus. Du coup, je vous ai dit, j'étais à la page 280. 244. Non, bon, bouquin. Voilà, je vais continuer ça. Moi, je vous laisse. Et avant, un petit peu, je vais lire un petit peu avant, regarder ici tout commence. Et demain nous appartient. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, on est samedi 10 avril. J'ai oublié de vous reprendre hier et de faire le montage du vlog. Vous l'insérer aujourd'hui. Du coup, je suis occupée à le monter. Vous l'aurez pas pour 10 heures parce qu'il est presque 10 heures là. Vous l'aurez, je vais essayer de vous le mettre pour midi. Je suis occupée à faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais pas fermé le vlog, rien du tout. Du coup, voilà. Je vais pas vous parler de mon livre parce que hier j'ai lu 2 pages, je crois, 2 ou 4 pages, pas grand chose. J'ai pas été trop bien. Je me suis reposée, profité pour moi. Et puis j'avais au matin, j'avais conférence avec mon psy, qui ça m'a fait du bien, ça m'a fatiguée. J'ai bien réfléchi à plein de choses. Voilà, cette nuit j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien aussi. Et voilà, et vous voyez en plus, je suis en plein montage avec mon petit casque sur les oreilles, enfin, et puis sur les oreilles, moi, pour faire le montage. Bon, ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Le vlog sera court, mais et ce sera bien pour vous. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous plaira quand même. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est gratuit et ça fait plaisir. N'oubliez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Allez voir pour venir me parler sur Insta où je poste assez souvent pour le moment. Enfin. Ça fait hier et aujourd'hui, j'ai rien mis encore, mais que je poste assez souvent. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve
dans le prochain vlog. Voilà, qui commencera, je ne sais pas encore quand. Je vous fais des gros bisous.